Salut Thomas. Salut Pierre. Salut tout le monde. Bon, allez, évidemment, on réagit comme on l'avait fait la dernière fois. Est-ce qu'on le fera à chaque fois sur le nouveau rulebook. Ça porte un code hein, que à chaque fois je méprends. Le RRG, c'est ça hein? Exactement. Voilà. Moi, je suis un peu, voilà, je suis un peu ingénu et des fois je vois dans le Discord, on attend le RRG. Alors tout le monde l'attendait. Ça y est, il est tombé quand? Hier soir, je crois, c'est ça? Hier après-midi. On aurait voulu réagir plus vite, mais il n'y avait pas la possibilité. Mais voilà, on est là. Thomas va nous faire, comme à l'accoutumée, un petit paluchage de ces trois documents, puisque cette fois-ci, on a trois documents. On a un Stormtrooper, on a un Scout Trooper, exprès, là, c'est genre, c'est le petit sel pour notre Blocos Endor. Il a son bouquin à lui, maintenant. Et puis, on a un troisième ouvrage avec un casque de Mandalorian. Alors on verra que chacun a sa spécificité. Moi je trouve que c'est une très très bonne chose ce qu'ils ont fait, même si on n'est pas tout à fait d'accord avec toutes les opérations qui sont imposées par FFG, notamment sur la mise à jour des cartes. Et donc on va voir d'abord donc le premier bouquin, on va vous parler des modifications de règles, les quelques modifs qu'il y a. Il y a des choses sur la mise en place, sur le partage de tokens, et puis une mise à jour de l'information de profil bas. Vous allez voir, c'est pas non plus affolant. Ensuite, on va aller sur le deuxième bouquin qui, lui, donc fait des modifications des errata sur vos cartes. Et donc, là, il y a quand même pas mal de choses, hein, je trouve. Hein, ça va être un petit peu impactant. On se posera des questions, d'ailleurs, sur les bienfaits de cette proposition. Et puis, le troisième document qui, lui, quand même, est un petit peu plus facile à couvrir, c'est la modification de points. Et on ira sur un site internet qui a fait un très beau travail de synthèse et qui permet de savoir ce qui a été gagné ou ce qui a été perdu. Voilà, ça y est, j'en ai trop dit. Je te donne la parole à toi. C'est parti. Vas-y. C'est un document qu'on attend tous les ans, hein, parce que c'est un document qui sort pour l'instant annuellement, plutôt en septembre, même si ils ont avec la reprise de AMG, ça a tendance à être publié plutôt en novembre. C'est très impactant comme document parce qu'en effet, c'est la modification des règles, c'est la modification des cartes, c'est la modification des points. Et il y a eu pas mal de modifications. Il y a eu quelques dégâts collatéraux sur certaines factions, on verra. Ouais, moi je m'étais fait chier à bosser les clones et... Il y en a qui sont en train de manger leur slip là. D'accord, ok. Bon, après, c'est bien, c'est un rééquilibrage nécessaire, de toute façon, on en avait déjà parlé, c'était attendu. Tout ça va dans le bon sens. Hein. Ouais. Tout ça va dans le bon sens. Voilà, très bien. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On commence tout de suite? Ou t'as d'autres on choses? On commence par le livre de règles, le fameux RRG. Le fameux RRG avec le setup. Donc, au début de l'ouvrage, vous avez juste en dessous du Stormtrooper les pages qui ont été modifiées. Et en l'occurrence, les pages qui ont été modifiées, c'est la 6, la 24 et la 56. Et donc, là, ils ont bien fait les choses. Enfin, ils continuent à bien faire les choses. À savoir que le texte modifié est en bleu. Alors, quelles sont les modifications sur le setup, Thomas? Alors, pour revenir un peu sur l'historique et pourquoi il y a eu ces modifications, il faut savoir qu'il y a eu, depuis quelques mois, une course sur le nombre de points, sur les paris qu'on fait quand on construit les listes de points. On arrivait sur des listes de points où on pouvait faire ce qu'on appelle un bid, hein, c'est-à-dire que je vais faire une liste à 800, à 780, 770. Moi, j'ai vu des listes qui sortaient à 760 et qui étaient encore très compétitives. Donc ça, c'était pas possible. Le fait d'être joueur bleu et de choisir ses missions était trop important. Donc c'est un peu comme dans X-Wing, quoi. Ils vont fouetter les gens qui font des bids. Voilà. Donc l'idée, c'est de dire, bon, ok, on joue à 800 points, on va réduire un peu l'intérêt d'être joueur bleu. Alors comment ils sont attaqués à la mise en place du jeu. Ils ont dit, ok, joueur bleu, ça donne beaucoup d'avantages, on va essayer de répartir un peu ces avantages un peu mieux entre le joueur bleu et le joueur rouge. Aujourd'hui, quand on joue, le joueur bleu choisit son deck de bataille, il choisit son côté de table. Ce qui a été fait, c'est que le deck de bataille est laissé au choix du joueur bleu. Par contre, le côté de table est laissé du côté du joueur rouge. D'accord. Et le côté de table, c'est pas neutre, parce que quand tu as bien en tête ton plan de jeu et comment ton armée se joue, être d'un côté ou l'autre de la table, ça peut t'avantager ou ça peut désavantager ton adversaire. Donc c'est très intéressant pour les joueurs
rouge de gagner cette possibilité-là. D'accord, ok. Mmh. Le deuxième changement qui a été fait, et pas des moindres, c'est à nouveau un souci d'équilibrage. C'est le joueur bleu, quand il choisit, il peut faire des listes qui sont très orientées sur des objectifs certains. Aujourd'hui, quand on lance le setup, mm-hmm. on va venir poser son deck de bataille et on va révéler trois cartes de chaque couleur. Mm-hmm. Sauf que quand tu révèles que trois cartes, il y a certaines listes qui étaient fortes et qui étaient quasiment auto-win sur les trois missions. D'accord. Donc, on va arrêter de faire trois missions. Maintenant, on va en appliquer quatre. Ah, très bien. Donc, il n'y a plus la possibilité de bloquer un deck avec trois cartes. Mmh. Par contre, on laisse tout ce qu'il y a autour, qui est de dire on va bannir une carte chacun à son tour, ouais. et on est toujours limité à deux. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir forcer la troisième carte, en dire « Moi, je veux forcément le troisième scénario, donc je vais cramer le premier et le deuxième. Mmh. » Ça, c'est okay. plus possible, parce que maintenant, il y en a un quatrième. D'accord, ok. Très bien. Mmh. Ça, c'est une bonne idée, ouais. C'est vrai que les joueurs expérimentés avaient tout de suite la lecture et ciblaient tout de suite ce qu'ils voulaient. Et c'est vrai qu'ils arrivaient à orienter la partie dès ce qu'on appelle le tour zéro, en fait. Exactement. Le tour zéro était beaucoup trop prégnant sur la suite de la partie, en fait. Mmh, d'accord. Ben voilà, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Pour le setup, c'est tout ? Ouais. Ok, d'accord. On passe du coup au partage de tokens, qui là va. Donc là, on est page 24. Je vais descendre. Non, je vais directement aller écrire ici 24. Pouf. Voilà. Alors, avant d'en parler, si tu me permets, je vais baisser la lumière parce que les clones ont mal aux yeux après avoir vu ce qui s'est passé. Donc, c'est la section Clone Trooper, j'imagine, qui nous intéresse. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'était quelque chose qui était très attendu. C'est dire, OK, les clones, le partage de tokens, c'est un peu trop fort. Il y a eu un premier nerf l'année dernière en disant qu'ils ne pouvaient plus partager les pions en attente. Mm-hmm. Et là, il y a eu la deuxième vague et elle fait mal. Amis clones, sur une attaque ou sur une défense, vous ne pouvez plus recevoir qu'un seul pion. Ah ouais. Venant des unités autour. Ah ouais. Un seul pion. Et c'est un pion vert, donc c'est un pion visé, un pion esquive ou un pion adrénaline. C'est-à-dire qu'on va plus avoir les gros shoots de phase 2 avec 20 dés et une dizaine de pions visés. Ça, c'est fini. Bon, c'est vrai que ça va les déstabiliser. C'était les seuls à avoir ça dans le jeu. Mais est-ce que en perdant ça, c'est des troupes qui restent compétitives ? Bah bien sûr, bien sûr. Les clones, ça reste des unités extrêmement robustes, mm-hmm. extrêmement létales aussi. Ça va encore une fois, ça va dans le bon sens des choses parce que ce qu'on est en train de se dire, c'est le partage de tokens existe toujours. Hein. On peut toujours récupérer un pion. Donc si j'ai besoin d'une visée en plus, c'est toujours fort. Si j'ai besoin d'une esquive en défense, je vais la prendre. Ou si j'ai besoin de, si j'ai une adrénaline et que j'ai pas assez de pions adrénaline, je vais venir en récupérer sur un pote à côté. Mmh. Ça reste très très sympa et ça reste toujours très très fort parce qu'on peut toujours utiliser les pions qu'on a nous. D'accord. Faut pas oublier ça. Mmh. Mmh. D'accord. Est-ce que ça va changer la façon de les jouer dans le mouvement et dans l'interdépendance qui était régie, c'est-à-dire que maintenant qu'on est plus susceptible que de recevoir que d'une seule troupe, on est peut-être plus obligé de s'attacher à avoir des colonnes entières de 3-4 troupes qui se déplacent ensemble et peut-être plus disséminer des duos de troupes puisqu'elles pourront interchanger chacune des tokens et arrêter de jouer totalement paquet. Ça, de toute façon, ça va s'imposer, mais est-ce que ça reste une évidence avec les commandants qu'ils ont ? Alors, tu as mis le doigt sur le point de gameplay des clones, que les développeurs ont dit « Stop, on veut arrêter la boule clone. Mm-hmm. On veut arrêter de vous armer où toute l'armée est concentrée sur une petite réglette et le plan de jeu des clones, ça va être ça. Mm. Ou ça. Exact. Ou ça. Mm. Ça, c'est fini, on ne veut plus. » D'accord. Et maintenant, avec l'arrêt du partage abusif de tokens, les clones vont pouvoir commencer à se déployer plus, réfléchir à d'autres stratégies de jeu. D'accord. Donc pour eux, c'est aussi quelque chose de répondre. Ouais. Ouais. En fait, on verra que sur l'ajustement des points, ça va aussi dans ce sens-là. D'accord.
Au niveau des commandants, tout ça, ça va rester cohérent. Il y aura pas, on va pas se retrouver avec des incohérences, notamment avec Anakin Skywalker. Et ben alors, le partage de token, en effet, a été nerfé pour les clones. Mais on a encore deux soutiens qui sont très bons pour le partage de token. Anakin, avec Exemplar, Et Padmé. Avec... Exactement. Donc, ils ont encore, il ne faut pas oublier ça, ils ont encore deux sources de partage de token qui sont très puissants. J'en ai cité deux, mais il y en a un troisième dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais il s'appelle Yoda. Il a des petites oreilles vertes. D'accord. Mais donc... ils ont encore des... ils ont trois sources encore de partage de token qui, ont... qui sont très sympas. Voilà, donc on est bien d'accord que la modification, elle est sur le mot-clé « Trooper ». Hein, sur le clone trooper, et donc elle n'impacte pas ni Padmé, ni Anakin, ni les futurs commandants comme Yoda. Ok, d'accord, très bien. Bon, moi je trouve que c'est une bonne chose, à titre personnel, parce que comme tu le sais, c'était pour moi contre nature de jouer en paquet. Alors après, je me suis forcé, mais j'ai commencé à apprendre et à jouer comme ça, et finalement j'en ai ressenti toute la force, toute la puissance. Mais je dois quand même avouer que je préfère jouer large, et ça va permettre de modifier un petit peu les scénarios de partie, et ça apportera, je pense, une très bonne chose. On est d'accord. Ok, autre chose à dire sur ce partage de token? Non, mais non. Bon, on verra que c'est pas forcément le plus dur qu'ils ont eu, les clones. Okay. On passe à la page 56, les amis, si vous voulez regarder en même temps. Et on va sur le low profile, à savoir le profil bas, qui lui, par contre, est modifié de façon relativement positive, je dirais. Et ouais. Alors, c'est un mot-clé qui a été complètement réécrit. Hein. À la base, low profile, ça te disait, si t'as un couvert léger, il passe à couvert lourd. D'accord. Donc c'est pas mal déjà, mais bon. Ils sont venus faire quelque chose de plus intéressant. Le nouveau profil bas, ça veut dire que si t'as un couvert léger, tu vas augmenter ton... tu vas pouvoir annuler une touche en plus. Mm-hmm. Et si t'as un couvert lourd, tu vas pouvoir annuler une touche en plus. D'accord. Donc tu vas pouvoir aller sur du cover 3. Ça permet de bloquer 3 touches. Ouais. Voilà. Bien pour les rebelles qui se cachent. Bah, c'est super. Tous les, en plus, c'est majoritairement des rebelles qui ont ces mots-clés. Hein. Évidemment. C'est les héros rebelles, c'est un Han Solo, c'est un Jyn Erso sur certaines cartes. Hein. C'est vachement bien. Et il y a une particularité supplémentaire pour rendre la règle encore plus fluff. Si jamais on a un mot-clé dans l'arme qui attaque, qui supprime les couverts, ça supprime les effets de ce mot-clé aussi. Ah, très bien. Ok. Dans sa déflagration. Déflagration, si jamais c'est appliqué sur le pool d'armes qui t'attaque, tu ne pourras pas appliquer profil bas. De la même façon, si tu as un tireur d'élite qui te tire dessus et qui fait redescendre ton couvert à zéro, eh ben, tu n'auras pas les bienfaits d'un profil bas. Oui, donc c'est quand même quelque chose qui va protéger tout au long de la partie les troupes qui ont tendance à défendre en blanc et donc qui ont des réussites de défense qui sont un petit peu légères, mais en même temps, ça ne va pas totalement les tanker, quoi. Il faudra continuer à être dans le mouvement et à être dans le bon positionnement pour pouvoir en profiter, quoi. D'accord. Il faudra être vigilant, mais quand tu commences à te dire, bon, sur un gros pool d'attaque, je vais pouvoir défendre bloquer 3 touches automatiquement, c'est quand même pas mal. D'accord, ok, très bien. On passe au deuxième livret, qui est donc le livret d'Errata, référence, qui est celui avec un scout trooper qui est dessus. Donc là, on a quand même 4 pages d'Errata de cartes. Hein. C'est ça. Ils ont peut-être eu un peu la maladresse de ne pas reprendre 100% des errata qui ont été faits dans les livres précédents. Ce qui fait que il va falloir jongler entre les différents livres de règles pour avoir les dernières mises à jour de points, enfin l'intégralité des modifications de cartes. Et ça, c'est très pénible. Tu veux dire que là, il y a des modifications qui n'ont pas été réécrites. Ah, c'est con, ouais. Ils ont juste rajouté ce qui avait changé. Ben, ils ont fait entre deux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris l'intégralité de ce qu'ils devaient reprendre. D'accord. Et donc, on a eu une précision cette nuit qu'ils allaient retravailler ce document-là pour réintégrer tous les éléments. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, oui, d'accord. On ne sait pas quand, mais voilà, ils en discutent. Il y a un deuxième point qui est un peu pénible, c'est qu'avant, dans ce document-là, qui était avant intégré au RRG, mais bon, maintenant, il est séparé, pour chaque mot-clé, ils avaient repris la carte avec le texte dedans, ce qui te permettait, toi, de l'imprimer et le mettre dans tes pochettes. Maintenant, on n'a plus un bloc de texte. Et
ça va un peu compliquer le travail de nos amis qui s'occupent de faire des traductions très rapides et qu'on salue d'ailleurs. Nicolas, merci. Bah oui, le grand bienfaiteur de la communauté. Oh, mais à force de coller, à force de coller des autocollants sur nos cartes, elles vont s'épaissir, quoi. Hein, ça va. Comme le jeu s'épaissit. Ouais, mais est-ce qu'on a l'information d'une éventuelle. Quand les prochaines boîtes ressortiront, les cartes seront erratées, on ne sait pas ça en fait. On ne sait pas. Traditionnellement, c'est pas fait comme ça. Mais l'équipe a changé, donc je ne sais pas te dire. Est-ce qu'on sait comment ils travaillent sur Marvel Crisis Protocol quand ils font des errata, ils changent les impressions de cartes ou pas spécialement? Eh ben, ils ont republié des tableaux il y a 10 jours là, sur les nouvelles profils, pas de nouvelles cartes. Je l'ai pas vu. D'accord. Ça, c'est dommage. Ça, c'est tout l'avantage de certains éditeurs qui n'utilisent pas de cartes, mais des codex. C'est qu'ils n'ont pas à se prendre la tête avec ce genre de choses. Mais nous, ouais, je trouve ça dommage. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu veux qu'on regarde? Tu veux qu'on regarde des choses particulières? On peut pas, il y a beaucoup trop de choses à couvrir, là. Alors, il y a en fait assez peu de choses qui ont changé. Mmh. Mais là, on va peut-être venir mettre en lumière l'Empire. Mmh. Qui ont récupéré des améliorations qui sont bien sympas, et puis quelques autres éléments. Il y a assez peu de changements au final. Alors dis-moi où on va. Sur la deuxième colonne de la deuxième page, le changement de la carte 3 pépins Darkest Descent de Vador. Ouais, d'accord. Le command card Darkest Descent, ouais. Qui est une carte de commandement à 3 points lumineux, à 3 pépins. Mm-hmm. Elle te dit... C'est une réécriture, mais c'est assez proche. Hein. Elle te dit, soit cette carte-là, tu la divulgues, et tu vas pouvoir infiltrer Vador, et il va gagner Scout. Mm-hmm. C'était déjà ce qu'il avait écrit. Et maintenant, la deuxième possibilité, c'est de dire, ok, cette carte-là, tu la joues quand tu veux, mais à partir du moment où tu peux la jouer, Dark Vador va gagner Fiable 2. Et Fiable 2, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il s'active, il va gagner 2 pions adrénaline. Mm. Et pendant toute la partie. Ouais. C'est vachement bien qu'il puisse avoir des pions d'adrénaline, Vador, du coup. Au début de la phase d'activation, excuse-moi. C'est pas quand il s'active, c'est au début de la phase d'activation. D'accord. Et c'est super fort, parce qu'aujourd'hui, Vador, il a pas de conversion en défense, il a pas de conversion en attaque. Hmm. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Ça va être un changement radical dans la façon de jouer Vador. On verra, il y a d'autres choses. Ça va le transformer en char d'assaut, effectivement. Ça va le rendre beaucoup plus fier. Il va gagner en défense, il va gagner en attaque. Ouais. Et Dark Vador reste le grand gagnant de ces changements de règles. L'Empire, non? Ou si c'est le grand retour de l'Empire avec ses modifications? On a une deuxième modification de carte de commandement de Vador, Implacable, qui est ça, un pépin, qui dit, quand Vador s'active, en plus de tous les effets de la carte qu'on connaît, il va gagner un pion esquive. Mm-hmm. Et pour rappel, cette carte de commandement permet de s'activer deux fois, si on le souhaite. Donc il va venir gagner deux pions esquives dans le tour. Hmm. Et ça c'est très fort. C'est très très fort. Pour un personnage lent, oui, c'est intéressant. Ah, t'as dit lent? Oui. Il ne l'est plus, l'est de moins en moins. Mais on y vient, mais on y vient. Alors ensuite, on descend à l'avant-dernier paragraphe qui s'appelle « Texat Clanker ouais. », qui est traduit en France par « Prenez ça, bande de cliquetis ambulants ». Ouais. Qui est la carte de pépin de Rex. Mmh. Et c'est peut-être ce qui fait, je vais pas dire le plus mal, mais c'est le deuxième coup sur la nuque qui sont pris les clones. Mmh. C'est une carte qui permettait aux clones pendant un tour de tirer à portée 4. Ouais. C'est fini, les gars. Ça, c'est laid. Hein. Ça, là, alors là, pour... Maintenant... Vas-y. Non, maintenant, si vous voulez faire ça, il faut que vous ayez un ordre phase visible. Donc, c'est-à-dire que c'est une unité à qui vous avez donné un ordre pendant la phase de commandement. Et que vous fassiez l'action visée. Hmm. Récupérer un visé par un offensive push, ça marche plus. Donc, voilà. Donc, ça va sensiblement limiter la portée de projection des clones. Ouais, et puis, on n'est pas en train de castrer un des plus beaux personnages du jeu, au final. Parce que, bon, Rex, ça restait vraiment le super-héros des tables. Et là, on le redescend un petit peu sur Terre, non? Ah, il a pris un coup dans le pif, là, le pauvre Rex. Hein. Ouais. Ah, et c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Ok. Mais en effet, ouais, en fait, les listes les plus fortes clones, enfin, sensiblement les plus fortes, c'était les Rex Stars. Donc, c'est Rex entouré de pas mal de troupes de phase 1 ou de phase 2, plutôt des phases 2. Mm-hmm. Mais là, ça sera
plus compliqué à faire. D'accord. On passe au paragraphe du dessous, qui est une modification de la règle de pépin de Anakin Skywalker. Tu sous-estimes mon pouvoir. Première modification, avant cette carte, elle permettait de donner un ordre uniquement à Anakin. Maintenant, elle permet de donner un ordre à Anakin et à une unité de troupes. Bien. À une unité, pardon. Mmh. Et en plus, il gagne, en plus des pouvoirs de la carte, le mot-clé « défendre 1 » en permanent. C'est-à-dire, dès lors que tu vas jouer cette carte, et à chaque fois que Anakin va recevoir un ordre, il va gagner un pion d'esquive. D'accord. Donc, c'est pareil, c'est vachement fort. C'est vachement fort. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Plus tout ce qu'il a à côté, hein, on parle de conversion d'adrénaline en critique en touche, maître de la force 1, enfin bon, bref, il y a plein de trucs sur cette carte. Hein. Next, on passe à la troisième page, le troisième paragraphe, Dark Vador, seigneur noir des Sith. The Imperator Apprentice. Juste au-dessus. Ah, Dark Vador, Lord of the Sith, ouais. Lord of the Sith. Of the Sith. Donc c'est Vador Commandant, on parle de Vador Commandant. Vador Commandant, attention les gars, il gagne un slot de commandement, et il gagne un slot de commandement. Hein. Ouais, ouais. Et il gagne le mot-clé contrainte troupe. Mm. C'est le mot-clé que possède Krennic, et qui dit, si tu es suppressé, tu peux gagner une suppression en plus pour faire une action de mouvement sur ta première action. Mmh, tu forces les gars à bouger, quoi. Mmh. Et on se garde un truc dans un coin de la tête, c'est que Vador, sa valeur de morale, elle est infinie. Mmh. Ça veut dire que toutes les unités à portée 3 de lui ne peuvent pas fuir et seront toujours suppressées. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'avec Vador, non seulement tes troupes ne fuiront jamais, mais en plus, elles auront toujours deux actions, dont la première sera forcément une action de mouvement. C'est surpuissant. Ah ouais. C'est surpuissant. Ça va ressortir l'Empire sur les tables, c'est cool, ça. Il y a rien qui fuit, et tout le monde aura toujours deux actions, dont ton action de déplacement, c'est monstrueux ce qui vient d'arriver. D'accord. Pour les petits joueurs, c'est compel uniquement sur les troupes, donc ça marche pas sur les Dubak. D'accord. Bonne info. Mais ça... C'est pas le seul Vador à être un peu up. On a aussi le Vador agent, l'apprenti de l'empereur, mmh. qui est le paragraphe juste en dessous. Mmh. Il va gagner un slot d'entraînement. Mmh. Ça va en faire deux. Deux slots de force, deux slots d'entraînement. C'est la même chose que Anakin. On voit qu'ils sont pas très loin, les deux petits coquins. Bah, c'est le même type, hein, normalement. Avec une cape en plus. Il va gagner un point de vie en plus. Il passe de 6 à 7. Pff. Sa vitesse de base passe à 2. Mmh. Et il perd le mot-clé suppressif. Spur, pardon. Spur, en fait, le game design de Vador agent était pas top, parce qu'en fait, il était très sujet à suppression. Et c'est un peu pénible d'avoir un Vador qui fuit. Ouais. Ça, c'est fini, les gars. C'est terminé. Vador, il est là, il est présent. Il bouge à vitesse 2. C'est trop. Et il a son air et bam, bam, dans vos dents. C'est trop, c'est trop. Sérieux, il bouge à 2 et il gagne un point de vie, c'est trop, quoi. 7 points de vie. C'est... Ouf. C'est... Bah, moi, je suis content, hein, mais j'ai peur que ça ronfle dans les chaumières, hein, en sortant ça. Hein. Je trouve que c'est trop. C'est mon avis. Bah, tu verras après, parce que c'est un peu compensé par l'augmentation de points de Vador. Ouais. Ok. Donc, on rappelle aussi quelque chose sur Dark Vador, c'est qu'il gagne, il gagne son slot de commandement, c'est-à-dire que derrière, tu as des combos infâmes à faire. Mmh. Tu le mets vigilance, il pourra garder son pion esquive tous les tours. Enfin, bon, bref, c'est... Mmh, mmh. Oh, beauté. Moi, j'adore la vigilance. C'est super pratique, quoi. Quand tu t'en sers pas, tu peux le conserver, c'est vraiment génial. Ok. On passe aux rebelles. Ouais, si tu veux, ouais. Allez, il y a une figurine qui est très moche et une unité qui est jamais jouée. Han Solo. Han Solo est de retour, les amis. Et Han Solo est vraiment de retour. Il gagne le mot-clé aguerri, comme les Snowtroopers, c'est-à-dire qu'il fait une action de mouvement et il peut faire une action de tir après. Mmh. On rappelle, Han Solo. Ça va comboter avec son pouvoir, ouais, avec sa capacité de carte. Et ben ouais. Mmh. Et ouais, quand il fait un tir, il peut faire une attaque sur une deuxième unité gratuitement. Mmh. Hein, il a perforé en deux, il tape avec deux dés rouges. Hein. Mmh. Donc tu peux faire ton mouvement, double shoot et re te cacher. Ouais. Sans ouais. parler des combos avec Chewbacca derrière qui le protège, qui lui donne ses pions. Aïe, 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 aï
forcément être de retour, c'est sûr. Mais c'est en bien. Plus, il a des points qui sont magiques, complètement magiques. C'est bien parce que c'est un bon moyen de rebooster les épisodes 4, 5, 6 sans forcément ressortir de figurines. Et c'est vrai que c'était quand même une période qui était un petit peu bypassée par les joueurs. Tout le monde s'était retourné sur les clones à juste titre pour être compétitif. Et là, ça calme un peu les choses parce que les joueurs étaient très inquiets de la sortie de Yoda, hein, qui va être aligné à toutes les sauces. Et là, c'est peut-être un bon moyen de compenser ces pertes-là, quoi. Donc c'est cool. De toute façon, on veut faire revenir l'Empire et on veut faire revenir les rebelles sur le devant de la scène. Je pense que là, on n'a pas fini encore. Ouais, on s'y prendrait pas là, autrement. Oh, c'est beau. Oh, double beau. Ok. Bon. On reparle encore des clones. Ouais, dis-moi. Au milieu de la colonne de droite, de la page 3, le DC-15X Arc Trooper Upgrade Card. Ouais. Il perd le mot-clé Critique 1. Ouais. Donc, c'est les Strike Team. En fait, c'est tout l'amélioration du sniper clone qui est devenu... qui est devenu OK, en fait. Avant, elle était pétée, maintenant, c'est OK. Mm. On ne va plus avoir des snipers qui vont dégommer des chars à portée 5. Ça, c'est fini. Oui, alors c'est vrai qu'on gueulait parce qu'il y avait d'autres snipers qui étaient moins qualitatifs qu'eux. Donc là, ça les remet à la même hauteur que les autres, au final. C'est tout, quoi. Hein. Rien de plus, rien de moins. Hein. Bah oui, bien sûr. Mm. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'était très mérité. Allez. Est-ce que le général Weiss te parle ? Non, pas du tout. Et c'est parce qu'il n'est pas du tout joué, c'est simple. Je me rappelle même. C'est la meilleure. Il est où, bah lui ? Il est où, lui ? On l'a eu dans quoi ? Et bah, c'est l'Impérial qui est dans l'ATST sur Endor et qui tire sur les pauvres Ewoks. C'est une amélioration du TRTT. Wow, qui te permet... Ah ouais, c'est pour ça que ça remonte. Ouais, ça remonte. C'est antidiluvien, quoi. Il y a 4 ans. Ah ouais. 4 ans. Ah oui, il est dans, ça y est, il est dans l'autre jeu Star Wars, aide-moi, l'autre jeu de plateau Star Wars. Rebellion ? Non, le jeu de figurines, merde, Assaut sur l'Empire, il est sur Assaut sur l'Empire, il est dans Assaut sur l'Empire. Ah oui, Assaut sur l'Empire. Ah oui, d'accord, ok, oui, ça y est, je le vois, oui, ça y est, je percute, ouais. Alors c'est une carte qui était sympa. Dans la mesure où elle te donnait Arsenal 4. Arsenal 4, ça te permet d'utiliser 4 armes sur une action de tir. Ouais. Bon, c'est pas mal. Mm-hmm. Sauf qu'il avait le mot-clé épuisement. Donc, quand tu l'utilisais, il fallait l'incliner. Ouais, ouais. Et en fait, tu t'en servais jamais. Et donc là, du coup, il est tombé à 1 point. Il est tombé à 1 point. Il était toujours pas joué, même à 1 point. Ouais. Et là, il n'y a plus à relever. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais. Maintenant, tu n'as plus besoin de le relever. C'est-à-dire que tu as ton TRTT, tu as 4 armes. Tous les tours, tu vas tirer tes 4 putains d'armes. C'est une figurine qu'on voyait plus, hein. Eh ben jamais. C'est bien, on va pouvoir le revoir pour les tournois, on va pouvoir la revoir pour le CF. Mais là, tu vas le voir partout, hein. Et on va pouvoir le revoir pour le tournoi hôte de Besançon qui est sur un tapis de neige et ce sera super cool de les revoir, ce sera ultra fluff. Ouais, ça fait plaisir, très bien. Ok, nickel. Ensuite, on a la grenade fumigène qui est juste en dessous sur le fichier. Mmh. Ah. J'ai cru qu'on allait revoir des grenades. J'ai cru qu'elle allait revenir dans le jeu. Ouais. Ben non, c'est raté. Alors, je me suis dit, ouais, c'est cool. Tu vas pouvoir lancer une grenade pour une action gratuite. Avant, c'était une action. Ouais. La grenade te permet d'augmenter ton couvert de 1. Sauf qu'elle marche qu'une fois dans la partie. Donc, ça reste de la merde. Ah ouais. Ça marche qu'une fois dans la partie. Bon, bah voilà. Ils sont passés à côté d'un truc, c'est dommage. Ouais, bon. Après, c'est pas déconnant. Hein. T'as des grenades, tu peux pas non plus en transporter 1000. C'est fluff. Voilà. Mais bon, c'est pas joué. Je pense pas que ça sera plus joué. D'accord. J'y crois pas. Okay. Surtout qu'elle est augmentée en termes de points pour compenser cette amélioration. Mm-hmm. Pas malin. On arrive sur le premier nerf de l'AA5, le camion poubelle rebelle, parce qu'il le méritait. Il y a des trucs qui étaient vraiment trop forts. Le tacticien peu orthodoxe. Ouais. Avant, le mot-clé te permettait de lancer 3 dés rouges et sur chaque symbole filer une visée au moment de début de la phase d'activation. Et maintenant, c'est pendant au moment où tu actives ton véhicule. Donc, s'il explose avant que tu le joues, tu ne pourras pas donner les pions ce tour-ci.
D'accord. C'est cohérent. Voilà. C'est cohérent. Ouais, je trouve ça incohérent. Ok, d'accord. Très bien. Le dernier mot-clé qui est sur la page 4, qui est Wedge Antilles. Mmh. Je ne l'ai pas dit pour Waze, mais c'est le cas aussi pour Waze. Il gagne Field Commander, commandant de terrain. Mmh. C'est-à-dire que tu vas pouvoir le prendre et ne pas choisir de commandant dans ton armée. D'accord. Le commandant, ça prend ton véhicule. Mmh. Mmh. Donc, c'est le cas pour Waze, j'ai oublié de le dire, mais Waze est Antilles. C'est-à-dire que tu peux avoir ton commandant d'armée, ça va être un T-47 avec Wedge Antilles dedans. Mmh. C'est quand même vachement cool. Bah ça, c'est bien parce que ça compense ce qui était fait avec le AA5, puisqu'on pouvait le faire avec le AA5 et avec la latte aussi, hein, je crois, hein, de mémoire. Ouais, exactement. Et, ouais. Et donc là, ça va permettre de le faire. Ah, ils ont vraiment décidé de nous permettre de ressortir des anciennes figurines qui, en plus, ont l'avantage d'être belles et qu'on voyait plus sur la table. Je suis content. Est-ce que ce genre de choses, ça s'applique aussi aux chars qu'on ne voit jamais là, le TX-130, ouais. C'est ça, hein, celui de. Waze, du coup, pour l'Empire. C'est pour les grands véhicules. Ouais, donc il peut aller dedans, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Ça marche. Mmh. Ok, bon bah c'est très bien, c'est très bien. On va basculer sur le site thefifthtrooper.com, je crois, hein, c'est ça. Ouais, en fait, vous avez la possibilité également de télécharger un errata avec un casque de Boba Fett dessus, qui est donc le point d'ajustement. Nous, on va travailler sur ce site parce que l'avantage, c'est que il nous donne les mêmes informations, mais il nous donne surtout le changement de point, et c'est ce qui nous intéresse. Donc oui, il y a plusieurs personnes qui ont fait le boulot hier soir et cette nuit de compiler dans un tableau les changements de points, parce que comme tu le disais, on a une seule colonne dans le livret de changement de points qui correspond au nouveau point. Mmh. T'as un peu du mal à savoir où est-ce que t'en étais avant et qu'est-ce que tu gagnes et qu'est-ce que tu perds. Ouais, là il y a previous point, new point et le changement de valeur, quoi. Donc c'est quand même plus sympa à manipuler, et puis c'est plus sympa pour vous expliquer les changements de points. Mmh. Donc on commence par la République. Bah on commence par Anakin Skywalker qui va en perdre 5. Ah, pour Anakin, je rallume la lumière. Bon, on voit qu'Anakin est remis sur le devant de la scène. Il y a sa 2 pépins qui a été amélioré. Il perd 5 points. Là, c'est un personnage qui est très sympa. Il va devenir encore plus sympa. Très bon personnage de soutien et très bon personnage d'attaque et contre-attaque. Anakin, je pense que avec tous les buffs qu'il a reçus là, sur ce nouveau livret de règles, il va être revenu sur le devant de la scène. Il le mérite, c'est un personnage super charismatique. Il est super sympa à jouer. Mmh, d'accord. Ensuite, on a le Bipod République, l'ATRT, qui perd 5 points. Bah oui, évidemment. Parce qu'il n'est pas joué, hein, parce qu'il ne synergise pas avec les clones. Mais bon, maintenant qu'il n'y a plus de synergie avec les clones, on va peut-être pouvoir le voir jouer. Mmh, mmh, mmh. À voir. Le deuxième véhicule qui a été... un peu bonifié, c'est le Bark Speeder que t'adores. Eh oui. Et bah, sache que là, tu gagnes 5 points sur ta liste, hein, il baisse de 5 points. Ouais. Moi, je le kiffe, ce truc. Franchement, c'est une belle petite puissance de feu qui est ultra mobile. Donc, j'aime bien contourner le point avec ça. Mais voilà, je trouve que c'est bien. Bah oui. Je trouve que c'est bien. Alors, par contre. J'aime bien la figurine Sidecar, j'aime bien. Ouais. Ça cool. La latte perd 15 points, quoi. Attends, ouais, tu vas trop vite! Ah, tu veux? Ah oui, oui, il y a ce qui gagne. Ah oui, oui. Oh non, Rex se prend 10 points dans la gueule. Vous êtes sérieux? Ah ouais, mais ils veulent qu'on le brûle ou quoi? C'est pas possible, c'est trop là. Non, là, c'est la balle dans la nuque. Hein. Ah, là, ouais. C'est la sentence est tombée, c'est la guillotine. Bon, il sera quand même joué hein, parce qu'il reste un très bon personnage. Par contre, là, il s'est pris 3 baffes dans la tête. Ça fait mal, hein. Ouais, là, moi, je trouve que ça fait beaucoup, quoi. Il y a eu les deux modifications. Déjà, la modification du passage de token, la modification de la distance de tir, lui rebalancer 10 points de plus. Je veux dire, on balance 10 points de plus à Vador parce qu'on le bonifie. Là, on le tire vers le bas et on lui rajoute des points. C'est quand même dur, non? Ah, là, c'est dur. Mais en fait, c'est mon avis personnel, hein. Je vous le partage, mais pour moi les clones étaient tellement hauts avec Rex que forcément le remettre à un niveau normal ça coûte très cher psychologiquement. Ils auraient peut-être dû le faire en deux fois. Ouais. Ils auraient peut-être dû, au précédent livret de règles, commencer à baisser
et le faire en deux fois, parce que là, c'est vrai que c'est dur. Hein. Ouais. Psychologiquement, c'est dur pour les clones. Ouais. Il va y avoir des listes qui vont se refaire là. Hein. Ces effets-là, ces modifications, elles prennent effet immédiatement aux yeux des tournois? Le 8 novembre. Ah ouais, donc immédiatement, quoi. Ok, d'accord. Ouais. C'est 11 jours la règle. Hein. Tu sors un document, 11 jours plus tard, c'est actif pour les tournois. D'accord, ok, très bien. Bon. Et le deuxième nerf qui fait assez mal aux clones, c'est le clone commander qui était énormément utilisé parce qu'il donnait des pions d'ordre gratuitement. Mmh. Il se reprend aussi 5 points. Mmh. Ah, ça fait mal. C'est-à-dire que dans une liste Rex, déjà, tu as 15 points qui sautent là. Mmh. 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 D'accord. La latte. Oh là là, yes, yes. Tu te rappelles, on l'avait dit pendant le Parlac, elle est trop haute. La latte était trop haute en points. Ouais. Bah, ils veulent en vendre. Là, ils en ont pas vendu assez, peut-être. Putain, moins 15, mec. Moins 15. Elle vaut que 5 points de plus que Rex, quoi. C'est énorme. D'accord. C'est mérité, à mon avis. C'est une unité qui méritait de perdre 15 points. Ça, c'est sûr. Elle était beaucoup trop en termes de tarif. Mmh. On était tous sortis en mars-avril, là, et enfin, quand on a vu les cartes. Elle le mérite et elle sera sûrement beaucoup plus jouée, peut-être plus côté Empire, parce qu'on verra qu'il y a des trucs, des petites saloperies à faire. Mais côté République, elle sera peut-être jouée avec des Wookiees, peut-être avec un Anakin. Mais elle peut re-rentrer dans des listes. Hmm, d'accord, ok. R2-D2 plus 10, bah, c'est une très bonne chose. Bah oui. Il n'y a rien à dire. Il était trop joué. Il était trop joué, il était trop utilisé pour ce pourquoi il doit être utilisé, c'est-à-dire contourner le point sur une table et aller marquer un point d'objectif en allant se poser dans la zone de déploiement des adversaires. Ok, c'était rigolo, c'était sympa, mais bon, il y a un moment, voilà, il y a trop de parties qui ont pu. C'est plus possible. Mais ouais, il y avait trop de parties qui étaient. En plus, plus tu lui tires dessus, moins tu le touches. Enfin voilà, c'était plus possible, quoi. Franchement, on le voyait partout et on sait pourquoi. Les plans de jeu étaient trop polarisés autour d'un truc qui valait 45 points. Mais c'était pas possible. Mais c'est clair, On est d'accord. Bon. On est d'accord. Donc 10 points. Donc si tu regardes encore une liste Rex R2, là, t'as 25 points en plus sur ta liste. Ouais, ça fait beaucoup. Alors après, ouais, on a les upgrades, hein, qui sont également modifiés. Là, on est sur la République, hein, pour l'instant. Vas-y, je te laisse la parole. Bon, qu'est-ce qu'il y a vraiment de significatif ? Il y a les deux armes du barque qui sont augmentées. Je trouve ça inutile. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Le barque est très peu joué. Ils ont baissé le coût général du barque, mais pourquoi ils ont augmenté les armes, je sais pas, surtout que bon, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est un peu, le ministère de l'économie, hein. C'est, je te donne 100 euros pour que tu fasses ton plein, mais je vais te niquer sur les impôts plus tard, quoi. Là, là c'est un peu bizarre. Eh ben, il faut pas une levée, ouais, il y a une levée de fonds à faire, je sais pas, mais c'est un peu dommage. Voilà, c'est peut-être un peu le point noir. Là, moi, tu fais en sorte à ce qu'une figurine se démocratise, et puis derrière, tu lui surplombes si elle utilise son ion ou son twist laser, c'est dommage, effectivement. C'est dommage. Ouais. L'autre, après, il y a on a vu, hein, l'ATRT a perdu 5 points et son arme, le lance-flamme, repère 5 points. Donc, les joueurs qui aiment bien jouer l'ATRT lance-flamme, ils gagnent 10 points sur leur liste. Ouais. On rappelle que l'ATRT, il a quand même scout 1. Ouais. Donc, sur un gros socle, ça te permet d'avancer très vite. Ouais. Donc, le rush ATRT lance-flamme, où si tu en mets 3 dans ta liste, tu gagnes 30 points, ça peut. Alors c'est parce qu'en fait les lance-flammes sont quand même assez peu utilisés sur les parties. Les gens ont tendance à se dire il va falloir que je m'approche pour m'en servir. Ils n'ont pas tendance à vouloir utiliser ce genre de truc. Ils savent pas trop s'en servir et je pense que c'est pour les pousser à faire ça. Et comme tu le dis, c'est une erreur puisqu'on se déplace assez vite avec un socle qui est quand même assez conséquent. Donc ouais, c'est une bonne chose, très bonne chose. Et quel bonheur de faire un gros coup de crouch avec le lance-flamme. Ouais, parce que t'as blast, et donc ben, ce qu'on disait tout à l'heure sur profil bas, ben, ça ne s'impacte pas, donc c'est intéressant, effectivement. Complètement. Après, on a quelques réductions de points qui sont anecdotiques au vu des ups qu'on a vus avant. Ouais, ouais. On a l'arme longue portée 4, critique 1, le DC-15 qui perd 1 point. Est-ce que ça a changé des choses, j'en sais rien. Bon. Le DP-25 perd 1 point aussi, c'est l'arme qui permet d'avoir perforant. Mmh. Bon, c'est très anecdotique, ça ne changera rien. On a le mortier phase 2 qui perd 2 points, c'est pareil, est-ce que ça change quelque chose ? Je ne pense pas. Mmh. Je ne pense pas.
et on reparle dans les immondices pour les clones. Ouais. Echo et Five, plus 4 Five. Echo qui prend 2 points, Five qui prend 4 points en plus. 4 points en plus, c'est... il était très fort, Five. Hein. Five, il te permet de distribuer, donner un ordre en plus aussi, lui aussi, gratos par tour. Ouais. Quand il reçoit un, il peut en donner une autre troupe, enfin, un clone autour. C'est quand même très très fort. Voilà, est-ce que tu vas payer 40 points une unité? Je sais pas, c'est cher. Et spécialiste, moins 3, c'est pas mal, par contre. Ouais, le clone capitaine et les spécialistes, c'est des trucs qui sont assez peu joués, le spécialiste un peu, quand même. Ouais, je suis quand même spécialiste. Ça fait vraiment plaisir. Ça, ça fait plaisir, par contre. Parce que là, on va avoir des sources de pions qui vont revenir. Le capitaine pour gérer la suppression et le spécialiste pour gagner un pion esquive ou un pion visé. C'est pas mal. Là, par contre, c'est pas mal. Bon. Ouais. Enfin, là, on en parlera en conclusion, mais ça me paraît vraiment, vraiment difficile. On passe aux séparatistes. Allez, le soleil se lève. Les séparatistes. On va aller assez vite là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses de bon sens. Le char AAT, donc le cab, prend 5 points, c'est tout à fait normal, c'est fort. Mm-hmm. Ça ne va pas changer les listes, 5 points c'est bien, c'est mérité. Les B1 à poil gagnent 2 points. Mm. Est-ce que ça change quelque chose pour la suite? On verra très vite que non. C'est 2 petits points en plus qui sont compensés par une baisse des armes globales. D'accord. C'est fait pour décourager les gens à jouer des B1 à poil et faire de la masse pour rien. Mm-hmm. Les B2 ne bougent pas, ça c'est une bonne chose. Ouais. Cat Bane descend 5 points, c'est très bien. Il va aussi bénéficier du mot-clé, du changement de mot-clé profil bas. C'est top, c'est super top. Deux coups, il perd 5 points. Mais là, c'est simple, on a la trilogie de ce qu'on ne voyait pas sur les tables, avec le quatrième, avec le quatrième que là, par contre, je trouve qu'on voyait trop. Mais bon, Cat Bane et deux coups et droïde de casse n'étaient pas joués parce que coûtait trop cher et ne faisait pas grand chose. Même si le droïde de casse, quand il est bien utilisé, il est quand même assez tanky. Donc lui retirer 5 points, ça va quand même nous l'aligner un peu plus. Le compte de coups, il était vraiment pas aligné, il coûtait beaucoup trop cher pour ce qu'il apportait en jeu. Je trouve que même moins 5, c'est pas assez pour moi. Sauf qu'on aurait pu le. Il a un gros problème de mobilité aussi, ouais, le compte de coups. On aurait dû l'alléger, ouais. Mais il y a une nouvelle carte qui est sortie avec Yoda qui est poussée de vitesse, qui va lui permettre d'avancer à vitesse 3. Donc, à mon avis, deux coups avec ses cartes de commandement complètement fumées, il peut revenir. Je le sens bien. Moi. Par contre, moins 15 à Grievous, ça, c'est... Je comprends pas. C'est PLS, quoi. Je comprends pas. C'est pas un personnage qui méritait 15 points en moins. C'est un personnage qui est très fort. On le voit tout le temps. Une fois qu'il... C'est très pénible. Il a un petit problème de gestion de la suppression, c'est vrai, ouais. Mais qui peut être compensé de tellement de façons que bon, je comprends pas. Ouais. Les 15 points au moins en Grievous, tant mieux pour les joueurs séparatistes, mais je comprends pas. Bah tu vois, il aurait peut-être fallu lui faire moins 10 et puis faire moins 10 à deux coups, quoi, par exemple, quitte à équilibrer un peu les choses, ouais. Quoi. Mais moins 15, c'est trop, quoi. Il passe à 155 points, c'est ridicule pour un personnage aussi balèze que ça, quoi. Ok. Bon, les stats plus 2, c'est pas très impactant non plus, je trouve. Non, ça changera rien. Ils seront toujours joués en masse. Voilà. Au niveau des upgrades, là aussi, ça tape quand même pas mal fort. Eh bah, ben, encore un gros boost de Grievous. Hein. Pourquoi son arme baisse encore de 4 points? Pourquoi on a voulu retirer le prix d'un Grievous de 19 points, moins 15, moins 4? Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'on ne le trouve que dans la boîte de base et qu'on veut vendre des boîtes de base. Ah, peut-être. Ça peut être une volonté cachée, hein, bien sûr. Ah bah, moi je vois ça. Hein. Moi je vois ouais, ça. C'est possible. Moi je vois ça. Ensuite, on a les armes spéciales des B1 qui tombent toutes de 2 points, sauf le canon à radiation qui perd 6 points. Pour rappel, c'est celui qui tape à portée 2 dés rouges, poison 1. Je pense que c'est encore un peu trop cher. Ouais. La problématique de ce nom-là, c'est la portée 2. Les autres armes sont très bien, hein, le S5S, le 5C, le 60R, sont toutes les trois des très bonnes armes. Le radiation a un problème de portée. Ouais, donc comme on dit, quoi, hein, les 2 points qu'ils prennent, ils les perdent dans les armes qui s'équipent. Quoi, donc, exactement. C'est pas... Ouais, ouais. D'accord. Okay. On a l'arme spéciale des B2 qui permet de faire sauter ton couvert et tirer à portée 3 qui prend 2 points. C'est complètement mérité, ça changera pas la méta. On est d'accord. C'est très bien. Le prix de base des figurines supplémentaires, le B1 perd 1 point. Donc le B1 supplémentaire va plus que coûter que 4 points. Mmh. Et c'est la grande batterie. Hein.
Alors c'est marrant parce qu'on le fait payer plus cher, mais si t'en rajoutes, ça te coûte moins. Donc ouais. C'est vraiment un donné pour un perdu et ça va vraiment rien changer en fait, ce surcoût du B1 quoi. Non. Le Security Droid, pareil, qui est pas du tout joué, qui te permet de faire sauter pendant un tour le IA, perd un point et on le verra pas plus. Le droïde qui te permet de coordonner à portée 2, le OOM avec la bande jaune sur la tête, perd un point aussi, on ne verra pas plus. Le B2 bouge pas. La Viper passe de 8 à 6, on gagne 2 points sur les listes avec les Viper. Toi, je sais que tu les aimes pas. Non. Ben, j'en jouerai plus. Il n'y a pas de BX là-dedans. Non, il n'y a pas de BX. Les BX ne bougent pas. Bizarre quand même. On aurait pu prendre une baisse de points vu la puissance des Mania Guard qui arrive. Ouais. Moi, je m'y attendais. Je m'attendais aussi à une baisse de points des boucliers. Ouais. Parce que les Mania Guard, toi, tu n'avais pas aimé les BX, mais tu ne vas pas aimer non plus les Mania Guard. Ah, je sais. Hein. Ah, je sais hein. C'est peut-être les grands gagnants, hein, les séparatistes. Hein, de cette, pourtant, ils n'avaient pas vraiment besoin qu'on les surbooste par rapport aux clones. Enfin, quand tu vois que les clones se prennent des putains de claques dans la gueule et que les séparatistes, on leur distribue des macarons, ça fait flipper, quoi. Ça va pas trop gueuler dans les forums, là. Ça gueule pas trop déjà. Non. On verra, je ne vais pas dire que c'est un problème, mais l'armée séparatiste est tellement bien designée, et avec ces ajustements de points-là, tu peux avoir maintenant 10 listes différentes qui sont très compétitives en séparatiste. Est-ce que 10 listes maintenant. Est-ce que c'est pas... ça se referme maintenant, les grosses listes Empire, République, ça va être le Sabre, Padmé, Anakin, Yoda, quoi. Ouais. Donc ça se referme un peu. Ça se referme un peu. Est-ce que c'est pas l'arrivée de Yoda qui fait qu'ils se sont rendus compte que s'ils laissaient les choses en l'état, les clones allaient être trop puissants avec Yoda? Ah bah, attends, Yoda il est sorti en août en Allemagne, et le gros tournoi à 64 joueurs en Allemagne qui a eu lieu fin août, c'est Yoda qui l'a gagné. Ouais. Bah ouais. Donc c'est sûr, à mon avis, bon, voilà. Il y aura peut-être une deuxième phase clone pour réajuster encore un peu. On verra. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont pas nerfer Yoda à sa sortie, ça c'est sûr. Non, ils peuvent pas nerfer une boîte dès qu'elle sort, c'est pour ça que les Mania, ils y ont pas encore touché. Rebelle Alliance, bon, le 1-4 FD canon totalement immobile, moins 5, je pense qu'on aurait pu lui en donner plus. Ouais, le canon pizza bouge pas, enfin, est immobile, il perd 5 points, est-ce qu'on le verra plus? Je pense pas. Bah, par contre, les joueurs qui aiment bien le jouer en 3 fois vont être vachement contents de gagner 15 points sur leur liste. Ouais. Je pense à mon copain Vorapung, là, qui va pouvoir en jouer encore. va avoir plus de points sur ses listes. Et après, c'est comme... bon, ça changera pas la figurine. Après, c'est comme ça que ça s'aligne. C'est vrai qu'il faut en aligner au moins 3 en fond de table et canarder d'ici à ce que ça arrive. Mais effectivement, ouais, moins 5. C'est parce qu'ils savent qu'on en joue plusieurs qu'ils ont enlevé que 5 points, je pense. Peut-être. Chewbacca bouge pas, Fleet Trooper bouge pas, Han Solo bouge pas, mais on a vu que lui, il n'avait pas besoin de bouger avec tout ce qu'il avait gagné dans sa carte. Non. Jyn Erso et Princesse Leia, moins 10, pas mal. Eh ouais. Alors ça sort d'où ça? Pourquoi Leia perd 10 points? J'en sais rien, elle est super forte. Bah écoute, tant mieux pour les joueurs rebelles, hein. Tant mieux pour les joueurs rebelles. Jyn Erso, il faut rappeler qu'elle est partie, sa carte c'est 130 points, maintenant elle est tombée à 90. Elle est boudée. Elle est pas jouée. Elle est vachement sympa à jouer. Elle est très sympa à jouer. Ouais, elle est très sympa à jouer quand elle synergise avec les boîtes qui sont sorties avec elle. Donc, il faut vraiment sortir tout le fluff du jeu pour vraiment pouvoir s'en servir. Quoi. Tu pourras continuer à tuer Luke pour 195 points. C'est cool. Ouais, merci. Ça fait plaisir. Les Pathfinder qui, du coup, ben, perdent moins 2, c'est bien, ça part en résonance avec ce qu'on disait pour Jyn Erso, c'est-à-dire que ça pousse quand même à la jouer. Bien entendu, quand on disait qu'R2-D2 prenait 10 points, il prend 10 points partout. Chez les Rebelles aussi. Voilà, donc ça c'est cohérent. Les Rebelles Commando, ben, là aussi, ça va avec Jyn Erso et les Pathfinder, donc un petit moins 2. Et puis un low profile cancel hit. Ok. Si les commandos rebelles, donc là c'est l'unité de 4 figurines plus un sniper ou un poseur de mine, ils profitent du re-up du mot-clé profil bas. Donc non,
vraiment une perte de points. Et en plus, ils ont profil bas. On pourrait peut-être pouvoir commencer à se poser la question. Une unité qui a profil bas, qui se déplace à 2, qui tire à 3 en rouge et qui a la possibilité d'avoir un sniper. Il y a peut-être quelque chose qui va falloir réfléchir. Hein. Peut-être qu'on va pouvoir les ressortir. Ouais, c'est bien, on va ressortir la vieille boîte. Le T-47, il avait déjà subi pas mal de modifications. Donc là, il n'est pas touché. Le Taunton, il n'a pas spécialement besoin d'être modifié non plus. Ça faisait 3 fois qu'il était baissé, ouais. Et là ils ont arrêté de le baisser. Ouais, c'est bien. Le X-34, pareil, pas touché, ainsi que les Wookiees. Ok. On va sur les upgrades. Ouais, les cartes d'amélioration. Qu'est-ce qu'il y a de significatif? Le plus 6 pour notre tacticien, du coup. Ouais, c'est la deuxième baffe que se prend le A5. Ouais. Tacticien a été changé. Les points du gonk prennent 4 points en plus. Le tacticien, en plus de mots-clés qui changent, prend 6 points. C'était trop fort. Mmh. C'était vraiment trop fort. Mmh. C'est peut-être un peu violent, par contre. Peut-être un peu violent. Le 5 a pris très très cher. Hein. Très très cher. Bon, par contre, le Cannon Rift qui prend. Le Gunner Rift qui prend moins 8 sur le X-34, c'est chaud, quoi. Ouais, faut dire que c'est une arme qui tire 2 dés blancs portée 3. Donc. Bon, un point, ouais, allez, on va mettre un point là-dedans. Ouais, on dit que voilà, ils veulent vraiment qu'on ressorte des trucs. Quoi. Le AA5, qui lui aussi va avoir un moins 8 sur. De toute façon, il n'est pas utilisé comme ça. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt, quoi. Ouais, bah maintenant la question va peut-être se poser. Hein, vu que le support en cours est plus jouable, ou en tout cas moins bien. Peut-être que la plateforme de tir qui tire quand même 6 dés noirs portée 3 impact 2 en anti-véhicule à 28 points au lieu de 36, peut-être. Moi, je trouve ça encore un peu cher, mais bon. D'accord. La question se pose. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Notre AT-RT qui va avoir son flamethrower, on l'a vu tout à l'heure, hein, qui était en modification. Ouais. C'est un peu dommage d'ailleurs que le prix de la TRT Rebelle baisse pas aussi. Il mériterait. Ouais. Il mériterait. Bon. Après, on descend, on passe dans les améliorations d'armes des Fleet Troopers. Donc, le lance-patate anti-véhicule passe à perdre 3 points. Mais bon, il n'était pas joué, il ne sera pas joué. Le problème, c'est que c'est une carte qui s'enclenche. Donc, ça reste un peu pourri, quoi. Mm-hmm. On continue dans la baisse des Pathfinder avec Pao qui perd 2 points. Ouais. Qui est très intéressant. Pao et Bistan sont devenus très intéressants avec la baisse des Pathfinder, surtout avec la méta véhicule. Bistan qui lance des énormes patates portée 4 va être très intéressant. On continue dans la baisse des commandos rebelles avec le saboteur qui perd 3 points en plus. Ouais. Donc 2 points plus 3, ça fait 5 points sur une full team. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. Le canon à ion des rebelles perd 1 point, mais bon, ça reste anecdotique. Le SX-31, c'est pareil, il perd 2 points, il ne sera jamais joué. C'est trop faible, c'est beaucoup trop faible. On a les capitaines des rebelles, ouais, moins 2, et puis ouais. Le séparatiste, moins 4. Hein. Le spécialiste, moins 4. C'est bizarre que les spécialistes comme ça baissent autant, parce que je trouve que c'était quand même des configurations qui étaient jouées. Alors c'est vrai que les spécialistes étaient plus joués côté séparatiste et côté clone. Et là, on va pouvoir ressortir également nos spécialistes côté rebelle. Ouais, et puis ça ouvre des listes très sympas aussi, parce qu'il y a une liste vigilance rebelle qui est immonde avec les doubles officiers vigilance qui peuvent garder les 4 esquives. Là, sur chaque capitaine, tu vas gagner 2 points, donc tu en as 8. Ça te fait gagner 2 points sur cette liste-là, c'est pas mal. C'est pas mal, le spécialiste, c'est pareil. Gagner des pions pour les rebelles, c'est génial. Ils ont tellement peu de sources de pions. Au 8 points, ça coûte tellement rien, tellement rien. Alors là, on arrive sur la grande braderie de Lille. L'Empire. Ouais, il y a le nerf sur le A5, quoi, qui pique aussi là. Le Reckless Driver. 6 points en plus. Hein, ouais. Ah oui. Ouais. Ah oui. Mais bon, qui permettait de faire quand même 4 mouvements sur un tour. Hein. Ouais, mais bon, c'est vrai que d'avoir sorti le A5 fin d'été et puis de nous le nerfer à ce point-là, aujourd'hui, c'est chaud, quoi, hein, je trouve. Hein. Enfin, c'est vraiment... C'est trop, quoi. C'est trop. Peut-être qu'il faudrait qu'ils réfléchissent un peu mieux leur compo en avance de phase, quoi, parce qu'ils ont été un peu bourrins. Ou alors,
Mais on en avait déjà parlé, on avait déjà abordé le sujet dans le live Star Wars en disant que l'équilibrage du jeu était commençait à être vraiment pourri et qu'il fallait s'en inquiéter. Alors c'est sûr que du coup ça fait des grosses vagues, mais moi ce que j'aime pas avec ces grosses vagues là, c'est que j'ai peur que ça démotive certains joueurs et qu'il y en a qui mettent la clé sous la porte en fait, tu vois. C'est-à-dire que le mec qui s'est acheté taquet de clone trooper, qui a appris à y jouer et qui un matin se lève et qui se rend compte que tout ce qu'il a appris et tous les réflexes de jeu qu'il a, il peut les jeter à la poubelle. Moi, ça me fait un peu peur pour l'avenir du jeu. Et ça me fait aussi peur dans le fait qu'il y ait des joueurs qui se disent « Waouh, est-ce que je capitalise sur une faction pour que dans 6 mois, on me la désigne comme ça, quoi ?» Ça peut foutre la trouille aussi aux autres factions de ce comportement. Donc c'est bien de l'avoir fait, mais il ne faudrait pas faire ça tous les 3 mois. Quoi. Je suis d'accord avec toi. Galactic Empire. Et enfin, ouais, Wedge Antilles, on le disait tout à l'heure, qui reprend 4 points. Il était à 1 point à pas jouer, maintenant il passe à 4 points. Ouais. Il est le commandant, donc il va pouvoir remplacer un commandant. Même si les commandants rebelles, tu les aimes bien. Si tu veux jouer full troupe, tu peux avec Wedge. Ouais, c'est cool. On regarde l'Empire, pour conclure. Ouais, il me faut une deuxième lumière, là. Allez. Les motos, elles tombent à 5. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on les voyait plus. Elles étaient fragiles, même temps. AT-ST. Ouais. En plus, les motos, elles ont une capacité anti-char qui est très intéressante. On verra Virs, ce qui arrive à Virs après, mais à mon avis, les motos vont revenir, je pense. ATST moins 5. Boba Fett. 155 points. Ouais, 155 points. Ouais, ça devient. Il part de loin, lui aussi. Hein. Bah ouais, c'est clair. Je crois qu'il est sorti à 195 points, hein, l'ATST. Ouais. Boba Fett moins 5. Ça, c'est bien. On va le revoir aussi. C'est vrai qu'on voyait trop ses compères et plus du tout Boba. Complètement. Et donc, du coup, bah, Dark Vador remonte à 190. Et oui, les deux Dark Vador remontent en points, 15 points en plus pour Vador commandant, et il les mérite, et personne ne va dire que c'est injuste. Vador agent prend 20 points, il les mérite complètement, personne ne va cracher dessus, c'est complètement normal ce qui se passe. Yoda est à 200, hein, je crois, hein, de mémoire. 205 de mémoire. Ouais, bah c'est même pas assez en fait, hein, encore, hein, pour Dark Vador, hein, je trouve. Mais bon, tant mieux pour les troopers, tant mieux pour les joueurs de l'Empire. Ouais. Quoi. C'est encore en dessous. Alors là, c'est pareil, on a une baisse de points pour Krennic qui sort de... moins 15 points, bah c'est magique. C'est juste magique, ça remet sur le devant de la scène un personnage qui était un peu moins joué, avec Aiden qui était très forte. Un bon personnage de debuff en face, hein, surtout qui vient foutre de la suppression partout. Ça ouvre des listes absolument dégueulasses. La liste triple short, triple mortier, triple death trooper, on verra juste après, elle revient avec un petit bide, elle est dégueulasse cette liste-là. Ouais, alors permets-moi d'être sur la réserve, tu viens de lister toutes des boîtes qu'on trouve plus. Alors, les shorts, c'est dispo. Krennic, pas trop, c'est vrai. Les Death Troopers, ils reviennent là. Hein. Ils sont en retour en stock ce mois-ci. D'accord, ok. Bon, bah alors, j'ai rien dit. Bon. J'ai rien dit. Mais c'est vrai. Et ça va directement avec Virs qu'on trouve plus aujourd'hui et qui baisse de points et qui devient génial. Ça, c'est très pénible. Très pénible. Okay. Bref, les deux bas, tu perds 5 points. Ça se joue souvent par 2 ou par 3. Donc, tu gagnes 15 points sur une compo triple Dubac. C'est génial. Ouais. Ça compte d'ailleurs la montée de points de Vador, hein, si on réfléchit. Palpatine qui perd 10 points. Ouais. Bon. Alors Palpatine qui gagne sa vitesse 3, hein, avec poussée de la force. C'est pareil, à mon avis, il faut se le garder dans un coin de la tête, celui-là. Hein. Ouais. Et que tu peux charger dans quelque chose pour aller le déployer rapidement de l'autre côté, quoi. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ouais, c'est jouable. C'est jouable. Virs, moins 5. Oui, c'est vrai qu'il baisse, mais pas significativement non plus. Moins 5, ça reste honnête. Ouais. Et quand on voit que les véhicules impériaux vont gagner beaucoup de points, on va le voir juste après, Virs a tout son sens. Ouais, Il a tout son sens. Ok. Imperial Trooper. Les Death Trooper moins 4. Ça, c'est bien. Hein. Ah ouais, bah, ils méritent. Ils étaient trop chers. Beaucoup trop chers. Les gardes qui passent à moins 6, ben ça c'est cohérent, ça va permettre de vomir toute la petite troupe avec Palpatine quelque part. Tout le monde va se déplacer sensiblement à la même vitesse, donc c'est bien, ça colle. Exactement.
La latte, 15 points, pareil. Hein, c'est génial. Hein, le compo latte trooper que moi j'adore. Oh là 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 là. Tu gagnes 15 points dans ta liste, c'est infâme. Il va falloir qu'on refasse, le sarlac sur la latte. Alors que c'est le dernier qu'on a fait. On regarde les upgrades. Je suis peut-être allé un peu vite. Il y a le TX-225, donc le fameux char. Justement, il y a même les Scout Troopers. Juste avant, tu as les Scout Troopers. Un truc, je crois qu'on a oublié de dire, c'est que le Scout Trooper gagne Scout 3. Ah, il ouais. passe de Scout 1 à Scout 3. Ah, donc, il va pouvoir se déployer vraiment loin. Ah ouais, non, non, là, c'est énorme. C'est énorme. C'est déjà bien. Que le Scout 1, c'était un avantage assez marqué sur la table. En fonction des déploiements, moi j'aimais bien le déploiement en L là où tu pouvais aller partir sur le haut du coin et puis vraiment presque traverser toute la table. Mais là avec un Scout 3, ouais, tu vas pouvoir aller de l'autre côté de la table en fait, tout simplement. Ce qui est génial pour tous les objectifs qui sont à portée 1 du bord de table de ta zone de déploiement. Ça y est, c'est Scout 3, t'es dessus, donc T'es bouffé dessus direct quand même. Ouais, très intéressant. Ouais. Et du coup, il n'y a pas d'augmentation de points. Ok. Et la Strike Team, c'est bien de pouvoir la déployer avec 3 de plus aussi, parce que ça va pouvoir vraiment la positionner sur des ouvertures de cibles qui peuvent être gratifiantes, hein, je pense. Hein. Donc effectivement, pour les deux, c'est très très bien. Et donc le TX-225, oui, c'est pas le TX-130, c'est le TX-225. Que moins 5, on aurait pu lui en offrir plus pour le revoir apparaître sur les tables. Côté, ce qui sera joué, je sais pas, je pense pas. Il a le gros défaut d'être très aplati. Ouais. Du coup, il a tendance à pas voir les unités et il a des faiblesses sur les flancs, étant très large. Ouais, je sais. Et il cumule beaucoup de faiblesses en fait, l'occupeur. Ouais. Beaucoup trop de faiblesses. Ils ont voulu le faire pour coller avec les sorties. C'est vrai que c'est une très belle pièce, mais il n'y a pas encore assez pour qu'elle soit jouée. Allez, on finit sur les upgrades. Le J19 qui perd 10 points pour l'agent Calus. C'est beaucoup. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Calus, qui est déjà quand même assez bourrin sur table, lui enlever, c'est tout simplement enlever à Calus 10 points, c'est énorme. Quoi. Ah, mais je suis d'accord avec toi. C'est vraiment bien. Ça va donner encore plus de polyvalence aux listes où il y a Calus. Je pense notamment aux listes double bounty avec Boba et Bosque. Ça va être très bien de gagner 10 points là-dessus parce que tu vas pouvoir un peu plus pimper tes agents. Là, un truc qui va faire aussi énormément plaisir, c'est le moins 8 sur les E11. Oh là 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 là. Des Death Troopers, quoi. Énorme, quoi. Et ils sont dans la place. Hein. Les Death Troopers, ils perdent 8, donc ils ont leur arme qui tire à portée 4 suppressif ou portée 2 en rouge, gratos. Gratos. En fait, c'est une baisse de points miroir avec les Pathfinder qui ont la même chose. Hein. Ah. Dans un portée 4, ils sont passés gratos il y a quelques temps. Le Death Trooper qui perd 4 points, son arme spéciale. Son arme perd 8 points, t'as moins 12 points par Death Trooper. Hein. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Pareil, encore de la descente pour le F-16 et les gardes impériaux qui avaient eux-mêmes été baissés en prix se retrouvent avec leur Electrostrafe Guard à moins 4. Voilà, donc ça fait moins 10 points sur une escouade de garde rouge. C'est quand même plutôt sympa. Ouais. Le T21, qui va baisser entre moins 3 et moins 2. Hein, ouais, voilà, c'est l'une des impériales qui perd 2 points. Bah, c'est bien, on prend. Hein. Okay. Le T7 pour les snow, ça aussi. C'est vrai que les snow, ils n'ont pas bénéficié de beaucoup de modifications. Donc c'est bien. Après, le T7 à ion, c'était pas ce qui avait le plus utilisé. On utilisait plus les lance-flammes avec les snow troopers. Ouais, mais le T7 avec la méta véhicule qui semble arriver avec le ion, ça peut être intéressant parce qu'ils ont aguerri. Donc tu peux faire recover, mouvement, shoot avec les ions, avec les snow ions. Ça peut être intéressant. Et aussi, juste au-dessus, là, on est passé à côté, la T21 balayée des short troopers qui rebaisse de 3 points. C'est une arme qui vacille beaucoup en termes de nombre de points. Ils l'ont rebaissé, avant elle était passée à 35, elle repasse à 32. C'est pas mal, je pense que c'est mérité. D'accord. On a toutes les armes des stormtroopers qui baissent. Hein. Dont le DLT-19 qui est systématiquement aligné. Systématiquement aligné, DLT-19. Très polyvalent, ça marche. Ouais. Le H-12, il prend moins 4, c'est pas déconnant, on le voyait beaucoup moins. Et le RT-97, c'est pareil, c'était soit DLT-19, soit le LT-97 qui sortait.
Donc je trouve que c'est cohérent qu'on les baisse tous les deux de 2. Ouais, je suis d'accord. Hein. Delmeco moins 13, c'est bien ça. Ouais. Et son compère, Gideon Ask, moins 9. Mm. Ça veut dire que sur l'escouade Inferno, on gagne quand même 22 points d'un coup. Hein. Ouais. On est sur une escouade Inferno équipée qui est aux alentours de 96 points. Donc allez, pourquoi pas, faudrait peut-être essayer. Moi, j'y crois toujours pas trop à cette escouade Inferno, à cause de Dell, hein, qui consomme beaucoup de points. Moins 13, hein, quand même. Hein. moins 13, je te dis. Peut-être. Surtout si t'as... En fait, l'intérêt que tu pourras avoir avec un Delmeco, c'est un Delmeco dans un Snowtrooper. Dans la mesure où tu vas pouvoir utiliser Delmeco pour réparer un ATST. Ouais. Et après, faire un mouvement, un shoot avec les Snow. Pourquoi pas? Surtout avec un Virs derrière qui va filer des visées. Donc, tu auras un beau shoot avec un perforant. Ouais, on peut y rêver. On peut peut-être y rêver. Ok. Le Baron Rudor. Ouais. C'est une nouvelle baisse de points pour les équipements de la latte. Hein. Moins 4 points au moins. Voilà, ouais. Le général Weiss, lui, par contre, va en prendre 4, mais comme il a gagné son Field Commander, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. Et puis surtout le fait qu'il ait plus besoin d'incliner sa carte. Hein. Ouais. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça va le faire ressortir. Ça va booster l'attaque. Il se ressortit à chaque fois. Hein. Ouais, c'est clair. Tu n'as pas RT sans lui, c'est sûr. C'est 5 points, il aurait pu le mettre à 10, hein, honnêtement. D'accord. Et puis Stormtrooper capitaine et Stormtrooper spécialiste, moins 2, moins 3, là aussi. C'est en résonance avec ce qui était déjà fait pour tous les autres capitaines et spécialistes. Donc c'est cohérent. Bah dis donc, c'est les grands gagnants, hein, l'Empire, hein, je trouve. Hein. Et on est passé à côté, mais il y a Price aussi qui a baissé de 5 points. Ah oui. Encore une... Voilà. Donc ouais, l'Empire, c'est bien. Hein. Là, l'Empire était vraiment au fond du trou, hein, faut le dire. Là, ils vont gagner entre 15 et 20 points sur leur liste, et peut-être entre 10 et 20 points, on va dire, hein, suivant les configs. Mmh. Ça veut dire que tu peux commencer à rentrer beaucoup de choses. Ça ouvre plein de listes, hein. Ça ouvre plein de listes, ce qui est arrivé là. On est en train tous de réfléchir à plein de choses. Les Dubas qui vont venir, c'est sûr. Les véhicules, et notamment le TRTT, va revenir. La LAT, elle va revenir, ça c'est sûr. Vador, j'ai même pas besoin de le dire, il sera là, c'est sûr. Moi, je suis un joueur historique Vador, donc... Je suis sur un petit nuage. voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, écoute, je suis assez positif parce que tu sais que j'aime beaucoup jouer l'Empire. On avait fait une partie ensemble, Calus, et c'est vraiment un mode de jeu qui me correspond beaucoup plus que celui des clones, qui était pour moi assez contre nature et je me forçais vraiment à jouer clone. Et donc je suis content que l'Empire revienne. Maintenant, en tant qu'animateur de communauté, je m'inquiète. Voilà. Je trouve que là, on est sensiblement sur la plus grosse révolution que le jeu a vécue depuis la sortie de la boîte des clones. Je suis d'accord avec toi, c'est une révolution qui est nécessaire, qui est salvatrice, mais j'ai peur qu'elle se fasse un petit peu trop au forceps, qu'elle foute la trouille à certains joueurs et qu'elle décompense pas mal les clones. Je trouve que c'est violent pour eux. Franchement, je suis pas... Voilà, après, il faut qu'eux-mêmes comprennent qu'ils étaient beaucoup trop en avance sur les autres factions et que c'était totalement déséquilibré. Il faut qu'ils l'entendent. J'espère qu'ils le comprendront dans ce sens-là. Maintenant, je trouve que c'est une modification qui est vraiment, vraiment, vraiment lourde de conséquences. Maintenant, ce qui m'excite derrière ça, c'est que si tout le monde le comprend et l'accepte, ça va ouvrir des perspectives pour le jeu et pour la diversité du jeu, la diversité scénaristique, la diversité sur les tables, et donc la diversité au niveau du gameplay qui va complètement changer. Et ça me fait kiffer, pour pas dire de gros mots. Voilà. Écoute, t'as tout dit. Et toi, comment tu le sens? Toi, tu t'es ça, je suis sûr que t'es tout excité par tout ça finalement. Oh ben moi j'adore. Ouais, j'adore. Alors encore une fois, c'est vrai, le nerf des clones fait très mal. On va se rendre compte qu'il reste très fort. Ça, j'en suis persuadé. Ça ouvre des listes. On va pouvoir jouer les Wookiees. Ça liste des listes. On va pouvoir jouer Anakin. Mm. Peut-être un retour d'Obi-Wan. Peut-être. Mais bon, Yoda arrive. Hein. Mm. Yoda. Les deux véhicules, hein, l'ISP et le Gnasp Fluttercraft.
ces véhicules arrivent, donc il y a plein de choses à faire côté République. Il y a vraiment plein de choses à faire. Ouais. Ah, il y a des belles choses, puis, des belles choses comme ça, quoi. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est beau. Complètement. Non, mais il y a, voilà, moi je suis très très confiant là sur ce rééquilibrage. Je trouve qu'il va dans le bon sens. Il y a des choix logiques qui ont été faits. Il y a deux trois trucs que j'aurais aimé voir en plus, mais bon, voilà, c'est pas, je m'en contente. C'est très bien. C'est très très bien ce qui a été fait. Encore une fois, voilà, ce qui est important, c'est de se dire, on va vers un jeu qui est plus équilibré. Il y a peut-être un petit manque de finesse et il y a peut-être un peu trop de violence dans celui-là. Ouais. Peut-être un peu trop de violence. Oui, d'accord. Ouais, ça, oui, c'est vrai. La baffe va faire mal, hein, pendant longtemps. Je te remercie pour ta dispo sur cette review. J'en profite pour vous exhorter à mettre des commentaires sous la vidéo et puis à la partager. Les commentaires, si vous avez des questions, on tentera de suivre hein, les commentaires et d'y répondre. N'hésitez pas à vous rattacher également sur le Discord qui doit être en feu, j'imagine. Vous aurez des propositions de listes, des réflexions sur la façon dont le jeu va s'orienter. N'oubliez pas, parce qu'on y travaille très activement, qu'on vous attendra cet hiver au championnat de France à Saint-Cloud, à l'Éclat. Voilà, ça commence à définitivement prendre forme. Alors les inscriptions sont toutes clôturées, il n'y a plus de place, je crois, Thomas, pour le CF. Hein, c'est alors il y a... On a mis en place une liste d'attente. Il y a eu un petit peu de mouvement récemment. Mm-hmm. Sur la liste d'attente, il n'y a plus qu'une seule personne. D'accord. Mais sachez que, indépendamment d'avoir une place, il y a énormément de side events qui sont prévus. Je ne peux pas tout vous dire parce qu'on va garder un peu le secret, mais il va y avoir énormément d'animations autour du tournoi. Et donc, si vous voulez juste venir nous voir et passer un bon moment, même si vous n'avez pas la possibilité de jouer parce que là, c'est close au niveau des inscriptions, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Ça va être un bel événement avec buvette, avec animation et avec beaucoup de propositions d'animation autour du monde du jeu. Et pas nécessairement que autour du monde du jeu de Star Wars. Il y aura aussi des choses... Pour vos enfants, si vous êtes parents, vous pouvez venir avec vos enfants, il y aura des animations pour eux. Il y a vraiment, ou pour vos compagnes, il y a aussi des choses qui seront proposées, donc venez nombreux. Et puis ben, je me dois évidemment aussi de vous parler de l'événement qui aura bientôt lieu, d'ici 3 semaines à Besançon. Là, il y a encore des places à prendre, et c'est pour le nouveau système de tournoi qu'on va installer avec qui commence. Et dont le premier chapitre se déroule sur Star Wars Légion et notamment sur Hoth avec des tapis exclusifs qui ont été designés par Nico Prime qui sont de toute beauté. Franchement, je pense que c'est dans un bel endroit en plein centre-ville avec du parking qui sera gratuit. Donc là aussi, n'hésitez pas à vous référer aux liens qui sont sous la vidéo. Merci Thomas pour ton expertise et puis j'espère que cette vidéo elle vous aura permis de faire le point sur la licence. Dont vous avez pu vous rendre compte qu'elle était plus que revigorée et reboostée. Et c'est bien, c'est ce qu'il faut noter, c'est que c'est de la diversité et du plaisir de jeu en plus. Il me reste à vous souhaiter de bons jets, et puis surtout de bons jeux, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. À très bientôt. Bisous à tous.